Hi, family and friends. How you guys doing today? Okay, so I am exercising again, and today I find myself here in Zone 14. And so I was walking, and I saw a McDonald's, and so I decided to go inside, you know, sit down for a little bit and have a coffee. And then I saw those two buildings there. It looked really nice. I think they're still under construction, but nice looking buildings. I think it's all apartments, and I know that's expensive. So basically, I was there. I don't know if you can see that McDo right there. Yeah. Yeah, that McDo. I just went there inside and had a coffee, and then I step out. Well, actually, it was a little bit more than a coffee, so I had a hamburger. I had a good Angus hamburger, and so I step out, and I decided that I was going to take a walk. And so as I was stepping out, I realized that there's a couple of buildings here under construction. So I decided to walk this way, take a look at it, and see what they look like. This looks like a hospital. It is a hospital. All right, so hopefully there's not gonna be anybody with COVID-19 here in this area. But this is what the area looks like. And so it is a hospital. It looks like a hospital. This is what the area looks like. So I decided to come this way and take a walk. So as I walk, look at a puppy. Hi puppy. Alright, so as I am walking, I decided to exercise a little bit, and so as I was stepping out, I saw buildings, and I decided I was going to walk this way. And at the same time, okay, just go ahead and, you know, work my video. It's just gonna be a smaller video, but I want to see the buildings though. And those buildings, I mean, they look nice, big buildings. I like the way they look. Now you can see that they're still under construction, but the closer I get, the bigger they look. They're really tall. Well, they're probably not that tall. But I don't know how much. An apartment there could be, but I know its value. It's probably gonna be high. So I wanna share what the building looks like. There's people still working there. It's undergoing construction at this time. You can see some employees there. I don't know if you see the employees, but there's people still working on it. Undergoing construction. Nice area though. There are many other buildings here. You can see the other buildings. And it's just a nice area too. This is in zone 14. And this looks like a shopping center. Very nice. There is a terrace cafe. But this is what I want you to see and look. So what do you think about that? They look nice, don't they? And so they're located here in 10th Street, Zone 14. I'm just gonna
take a look. Take a look down here, down the street. And so this is the side street where the building is to be found. Now, ladies and gentlemen, I think that building there, this is for the first time I'm looking at it. So I think that place is called Parlacen, Parlamento Centroamericano, which I didn't know. I didn't know this is where the Parlacen is. Now I know. Now this is the side street here. Now you can see that there are other buildings under construction. Very nice, tall. And I'm sure that if I keep walking, I'll see a little bit more of what the construction is as a whole, because it looks like the building, the entire building is still undergoing construction. The entire building is undergoing construction, and you can see that it is indeed big. It's like a big complex. Bueno, entonces así es como se mira la construcción de estos dos edificios. Todavía están experimentando la obra, pero sí se mira bastante grande. Es un edificio bastante grande. Y esto es como se ve la calle. Esto es una plaza comercial que se encuentra aquí en la esquina del edificio. Bueno, y no muy lejos de aquí, del otro lado, ustedes pueden ver que ahí se encuentra Europlaza. Son cuatro torres, creo que son de 20 y algo pisos cada torre. Son cuatro, que si hubieran hecho uno encima del otro, sería un edificio como de 100 pisos, pero bueno, hicieron cuatro torres. Vamos a echar otra mirada a estas torres. Bueno, allá al final de la calle también hay otros edificios. Miren estos scooters. Estos scooters los puede uno utilizar. Lo único que uno tiene que hacer es escanear la aplicación y ya se puede ir uno con el scooter por toda la ciudad. Bueno, hay unas partes de la ciudad donde el scooter no funciona, pero pues, uno lo usa, lo deja ahí. Esa alguna persona lo dejó ahí. Si yo quisiera, pues solo escaneo la aplicación, me subo a él y ya lo puedo usar. Miren, aquí estamos. Bueno, esta es una callecita aledaña. Bueno, esta está aquí cerca del McDonald's, en la zona 14. Estas son tiendas. Bueno, solo camino una cuadra en la zona 14. Así es que si camino muchas cuadras puedo hacer muchos videos, porque esta zona es grandísima, amigos. Pero entonces los voy a dejar.
con el video de la zona 14. Ok, listen to me. So, yeah, alors aujourd'hui, je me trouve ici. À la 9, la route de la 9 à la zone 14, à la ville de Guatemala. Parce que je voulais manger quelque chose, je suis rentré dans un McDo. J'ai pris mon café, mangé un hamburger là-bas. Et après ça, j'ai décidé que je vais sortir me promener un peu à la même fois. Faire mon petit tournage, ça c'est pourquoi je me trouve ici avec ma caméra et je fais mon tournage. J'ai déjà fini mon repas et je suis en train de me promener, marcher un peu. Et de cette façon, je fais mon exercice aussi. Parce que quand on fait de l'exercice, l'exercice est bon pour la santé, ça c'est une chose que je recommande. De se mettre à faire quelque chose tous les jours pour être en bonne santé. Je ne sais pas exactement si je suis en bonne santé, mais je fais mon mieux. Et ça, c'est une bonne chose. Mais je vais vous montrer que ici, le bâtiment est en pleine construction. Ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini ce bâtiment. Mais quand on le regarde, on peut voir qu'ils sont douteux. Ils sont belles. Ils sont grands, ils sont gros aussi. Et ils se trouvent ici à la zone 14. Et on va finir ici le tournage parce que je dois continuer à me promener et de faire des exercices. Et s'il y a des autres choses que je trouve dans mon chemin, parce que je vais continuer dans mon chemin, et si je trouve des autres choses que je peux filmer, pour vous montrer, je vais vous laisser. Regardez la rue ici. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle la rue ici. Mais c'est un rue qui est à côté de l'avenue Las Américas, ici à la ville de Guatemala. C'est tranquille ici. Il y a de l'air qu'on peut se promener, marcher ici, sans aucun souci, sans préoccupation. On peut faire sa chose ici. Et quand je dis sa chose, je parle de marcher, de se promener. Ça, c'est la chose. Quand je dis on peut faire sa chose, je parle de ça. De qu'on peut faire sa promenade ici sans aucun problème. Les amis, on va s'y parler plus tard. Et regardez la rue, je pense qu'elle est belle. Il y a beaucoup de choses à voir ici. Les quatre bâtiments, ces quatre bâtiments que vous pouvez regarder en bleu de l'autre côté de cette maison, on les appelle les Europlaza. Ils sont quatre. Ils sont gros aussi, ils sont gros. On va finir aujourd'hui. Je vais vous partager cette vidéo avec vous. J'espère que ça vous plaira beaucoup. Et n'oubliez pas de liker si tu aimes le petit tournage. Et si vous aimez les images que je suis en train de vous montrer, regardez la vidéo, likez la vidéo, laissez votre commentaire. Et comme ça, je continuerai à me promener et faire mon petit tournage de la même façon. Au revoir les amis, on se part plus tard. On vous embrasse de Guatemala. Hasta luego amigos.